Nice 10e accueille Marseille 2e. Les Niçois sont privés de Palin qui dispute la CAN avec le Gabon. Bodmer et Digard, deux éléments pourtant importants, sont blessés. Marseille est privé également de nombreux joueurs. Fanny et Mendy sont suspendus. Koulou, Ayou et Ndoumbou à la CAN. Alessandrini et Barada à l'infirmerie. C'est difficile pour des Marseillais qui souffrent à l'extérieur. Un point pris sur les trois derniers matchs loin du stade Vélodrome. Il faut réagir. Les Niçois de leur côté semblent avoir retrouvé des couleurs sur deux victoires consécutives. Une seule défaite sur les cinq derniers matchs pour les Aiglons. Et ça commence bien pour l'équipe locale grâce à Alassane Pléa. Le ballon n'est pas cadré. Réaction marseillaise. Avec cette possibilité de décalage sur le côté. La remise au centre et une reprise à bout portant pour Michy Batshuayi. Ça n'est pas cadré non plus, mais il y a des occasions dans ce match. À la mi-temps, 0 à 0. Il manque une petite prise d'initiative supplémentaire d'un côté ou de l'autre pour débloquer la situation. Nice qui ne peut toujours pas compter sur Atem Ben Arfa dont le contrat n'a pas été validé. Mais les Niçois passent quand même à l'attaque. Avec cette remise dans la surface. Le ballon qui passe et au premier poteau, la reprise manquée. Puis Steve Mandanda qui se loupe un petit peu. Et c'est Romain Genevoix qui réussit à mettre le ballon au fond. Le défenseur haïtien est monté. 47e minute. C'est l'ouverture du score dès le retour du vestiaire. Premier but de la saison pour Genevoix. Nice mène 1-0. Réaction marseillaise. Un gros contact ici. Le deuxième carton jaune pour Kevin Gomis. Il est exclu. Il a pris le premier à la 51e minute. Il prend le deuxième 2 minutes plus tard, 53e. Ça fait beaucoup de temps à jouer en supériorité numérique pour l'Olympique de Marseille. Une vraie chance de revenir après cette faute sur Payet. Mais Nice, à 10 contre 11, continue à avoir des belles opportunités, notamment celle-ci, le centre de Pléa et la reprise de Niklas Hult à la 73e minute. Premier but en Ligue 1 pour le joueur suédois, l'une des recrues estivales des Aiglons. La défense marseillaise aux abonnés absents sur cette action alors que Marseille joue à 11 contre 10. Lors de la première rencontre entre les deux équipes au mois d'août, Marseille avait gagné 4 à 0 contre Nice. Cette fois-ci, c'est plus difficile, même si l'OM revient grâce à ce but de Florian Thauvin à la 77e minute. Le 5e but de la saison pour l'ancien Bastier. Une réaction intéressante pour essayer d'arracher un point en fin de match. Mais le temps tourne et Marseille n'a pas d'autres occasions. Nice résiste. 3e victoire consécutive des Aiglons face à un Marseille toujours aussi inquiétant à l'extérieur. Victoire 2 buts à 1 de Nice.